Salut, c'est Megan River 16. On se retrouve sur mon tour avec la cadendelle que j'ai intitulée Les 12 travaux de Sagan. 12 travaux pour 12 victoires d'étape que je vise avec lui. Précédente vidéo, on avait eu l'acte 1 et l'acte 2, les deux premières étapes qu'il a remportées. Et ici, sur cette vidéo, il y aura l'acte 3 et l'acte 4 qui représentent l'étape 3 ici, dernière étape Corse à Calvi, et l'étape 5 à Marseille. Entre-temps, il y aura eu le contre-la-montre par équipe, qui ne fait pas partie de mes objectifs de victoire avec Sagan, bien évidemment. Et là, situation de course, il n'y a pas eu d'échappée pendant toute la journée. Et là, on voit que des punchers se sont mis en avant. Fedrigo, Martin, Tony Martin aussi, Moreno et Galopin. Sagan, à 2,5 km de la difficulté du jour, va aller les chercher. Ici, c'est une étape qui peut correspondre au puncher. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Donc là, avec sa puissance, il va essayer de revenir sur le groupe. Peter Sagan qui revient bien là et qui va contre-attaquer. Je lui ai pris un gel et un gâteau. On revient sur le groupe. Allez, c'est Sagan qui y va. Moreno aussi, on dirait. Mais Sagan en pur puncher fait parler sa puissance là. À 1 km du sommet. Allez, on prend un gel tout de suite. Est-ce que ça a fait des écarts? Oui, ils ont eu du mal quand même. Quand Sagan attaque comme ça, de manière violente en puncher, c'est pas évident de suivre. Et là, ça a complètement clairsemé le peloton derrière. Allez, on attaque puisque le gel fait effet. Et maintenant, il faut faire une belle descente. On va d'ailleurs repasser le petit plateau pour récupérer un petit peu plus de rouge et de jaune. Où ce virage était délicat. Là, il n'y a pas trop de virages, hein, je crois, de toute façon, dans cette descente. Mais ça a suffi avec l'attaque que j'avais faite dans le dernier kilomètre d'ascension et cette descente sans grosse erreur de la part de Sagan. Ça a suffi pour continuer les écarts. Ils sont à combien derrière, là? 37 secondes. Derrière, on retrouve Vauclair, Costa et Chavanel. 3 bon puncher, hein, particulièrement Vauclair et Chavanel. Et un petit peu plus loin, Quintana, Roche, Contador, Froome. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas Basso. Basso, il est dans le peloton, d'accord. On va prendre le gâteau à 6 km de l'arrivée, mais même sans gâteau, j'aurais pu le finir, je pense, puisque ça descend quand même. Donc ça crame pas trop de barres jaunes. En tout cas là je pense qu'ils ne le reverront pas. Même s'il y a de très bons punchers à la poursuite derrière, Vauclair, Chavanel. Et voilà, ils sont à 1 minute 03. Et le peloton à 1:18. On peut espérer qu'il n'y ait pas d'écart. Là je parle d'un point de vue d'Ivan Basso. À 3 km de l'arrivée, pour Sagan, là ça sent bon. Allez, on va essayer de passer le virage proprement quand même, sans s'appuyer sur la barrière, vu que on a pas mal d'avance, on peut la jouer propre. On relance un petit peu en sortie de virage. Et voilà, l'acte 3, la troisième étape à Calvi, pour la troisième victoire d'étape de Sagan. Son défi des 12 travaux se passe bien pour le moment. Là, il arrive en costaud et il va pouvoir fêter sa victoire d'étape comme à son habitude à la King Kong. 3 sur 3 pour Peter Sagan ici à Calvi. À 3 km de la fin de ce chrono par équipe de Nice, je suis avec Basso là en tête. Et effectivement, il ne faut pas attendre grand-chose de cette équipe Cannondale.
Ça s'éparpille derrière, c'est délicat à gérer. Allez, Basso a fait son boulot. On va tout de suite passer à Sagan qui doit avoir pas mal de résistance encore à donner. On va être obligé de baisser un peu le rythme pour qu'on arrive à 5. C'est vraiment pas une équipe spécialiste de cet exercice. Mais on arrive quasiment à 5 là, je crois. Et le temps risque d'être honnête quand même. Je vois 23 secondes. Ça ne devrait pas nous placer trop mal. En tout cas, le maillot jaune de Sagan est conservé. Son maillot vert aussi. Le maillot blanc aussi. Allons voir un petit peu ce qu'on a donné sur ce chrono par équipe qui n'était pas un objectif de ce tour, bien évidemment. Alors, étape 4, voilà le chrono par équipe et l'équipe. On est donc 7e avec la Cannondale à 26 secondes de l'équipe victorieuse, la Sky, en 27-10. C'est honnête quand même pour la Cannondale. Et ce qui nous donne donc au général, Sagan toujours une 19 devant Gilbert. Et Basso est dans un temps honorable, toujours avec le reste de l'équipe vers la 60e place. On se retrouve à l'étape 5 de Marseille, à savoir l'acte 4 de mes 12 travaux de Sagan, la quatrième victoire d'étape qu'il vise. Je suis à l'avant du peloton avec des coéquipiers là et Corren en protection. On est à 6,7 km de la dernière difficulté du jour. Et le peloton est groupé, c'est bizarre, j'ai simulé hein, jusque-là et il n'y a pas eu d'échappée comme sur l'étape 3 de Calvi. C'est quand même surprenant. Peut-être que quand c'est Sagan qui a le maillot jaune, il n'ose pas, je ne sais pas. En tout cas, ça fait deux étapes de plaine successives, deux étapes en ligne, pardon, où il n'y a pas d'échappée, même pas de tentative d'échappée. Sinon, j'y répondrai pour qu'on arrive groupé, mais j'ai même pas eu besoin de faire ça. Donc voilà, 4,5 km du sommet. Je vais demander à mes coéquipiers de rester dans leur groupe pour que Sagan se débrouille seul. En ravitaillement, j'ai pris un gâteau et un gel. Je crois que le gâteau sera superflu vu qu'on n'a pas fourni du tout d'effort pour arriver jusque là groupé. Et on voit que les équipes des sprinters sont à l'avant. Hein. Argos Shimano pour Kittel est bien là, le train se prépare. Il y a Omega Pharma Quickstep aussi pour le maillot vert de Cavendish. Enfin, le maillot vert, c'est Sagan qui l'a, mais c'est Cavendish qui le porte. Les coéquipiers de Greipel aussi qui se mettent à l'avant. 1,3 km, c'est peut-être le moment. Allez, Sagan qui lance une offensive en puncher. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ben, ils sont pas loin. Il va falloir faire les écarts dans la descente si on peut. Bien négocier les virages de la descente. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Le virage, c'était peut-être même le dernier. Non, voilà un autre quand même. Ou derrière. Ça n'a pas trop suivi. Ils sont pas très loin, hein, c'est sûr, mais ils sont pas dans ma roue. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Une chute collective, apparemment. Il vient de tomber. Il risque de faire du temps, en général. En tout cas, Sagan qui poursuit son effort, là, dans la fin de cette descente. Allez, on relance à la sortie de ce virage. Là, on fournit l'effort pour les empêcher de revenir sur cette phase de plat. Et derrière, c'est l'hécatombe là, à 5 km de l'arrivée.
Visuellement, on ne les voit plus. Mais la fin est dure, hein, de cette étape. On a Viviani, un petit groupe de qui entoure Omega Pharma Quick Step, là, qui entoure Cavendish, à 45 secondes derrière, et le peloton à 1 minute 38. On va prendre le gel au cas où. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Car avec son attaque de puncher juste au sommet, en prenant quelques mètres d'avance et la descente, qu'on a relativement bien gérée quand même, sans qu'elle soit parfaite, eh bien on se présente assez tranquillement, sous la flamme rouge avec Sagan, pour ce qui s'annonce comme sa quatrième victoire d'étape. Alain sprint pour la forme, et il va pouvoir célébrer sa victoire d'étape tranquillement. Quatrième victoire d'étape pour Sagan, acte 4 des 12 travaux remplis et une belle troisième place de Viviani. Et voilà, le quatrième bouquet pour Sagan. Ça se passe bien pour le moment par rapport à ce qui était prévu. On va se retrouver pour la suite de ces 12 travaux de Sagan dans une prochaine vidéo.